T'imagines quelqu'un qui te félicite en vrai parce que t'arrives à t'asseoir? Bravo! C'est fabuleux, Morgane! Si le dernier ne s'était pas bien assis comme ça! Si tu kiffes alors, mets un pouce bleu, ma couille! On va jouer en... Non, non, calme-toi. Il y a des aliens dans le jeu, calme-toi. Ok, on va mettre Izzy alors. Non, normal. Voilà, on est des youtubeurs normaux. Ah. Bon, déjà, des questions difficiles. Plouf, plouf, ça... Ok. Putain, escroquerie. 2032. Soit 2 ans après 2017. Non, 4. 4 ans. 4 ans, pardon. Waouh. Ah, c'est beau. Bah ça va, on dirait qu'il n'y a pas d'apocalypse. Attends, se passe ils sont où tes aliens, tu te fous de ma gueule? Moi je l'entends pas, moi Alex, tu l'entends? Oui, il a dit putain, your transter uniform. Soldat, vous êtes tout nu. Mais t'es ainsi, pour moi c'est dégueulasse. Et au fait, on joue à Prey. Hein. Oui, on joue à Prey. Un jeu édité et développé par Bethesda. Et Prey, c'était sorti il y a masse de temps. Bah c'est quoi, quand ça se fait qu'on joue au 1 là? Bah c'est un reboot en fait. Le logo de ta main sur un objet. Allez viens, allez viens. Allez viens, viens vers moi. Viens vers moi les objets, allez. Tu veux prendre ça? Vas-y, prends. Ok. Bonjour. Ah bah voilà, maintenant j'entends. Ah, on s'appelle You. Il va y avoir des confusions. You, shut up. Non, not you, you. Alors c'est ça les hélicoptères de 2032? Bah t'es rare, en 2032, tout le monde a un hélicoptère. C'est comme si tu rentrais dans ta Twingo. Oh, d'accord, non mais t'es mal, l'hélicoptère c'est un yacht. Premier jour de boulot, tu es avec ton petit hélicoptère et tout. Ah, ah, on n'oublie pas de faire la dédicace. Oublie pas en 2032 Bethesda à tous les bâtiments de New York. Ça me rappelle un petit peu, tu vois, des trucs comme Half-Life 2, ce genre de séquence de... Ah ouais. Ah d'accord, d'accord. En fait, c'était pas le bâtiment, on est trop cons, c'était du texte intégré à la map. Ah mais je le savais, je croyais que tu faisais une blague. Ah bah non, je croyais que c'était le l'immeuble qui s'appelait Bethesda. 2032, Bethesda doit tirer la société entière. Ah, Prey. Attention, on va s'écraser dans Prey. Tout ça, c'est à la classe, mais se trouve, on a juste un job où on va trier des dossiers. Hein. La première heure de jeu, c'est ça. 3 heures de jeu, tu deviens soldat, mais d'abord tu vas trier des dossiers. Oh, il parle pas là. Bah si, il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, je sais pas, il dit... Ah, Charles Gant, we got a trouble in system. Ok, je crois qu'il faut pas que je te demande ce qu'il disait. Finally. dis donc. Je vois qu'on va à la cantine régulièrement. Et prend tout le temps des frites à la cafette. C'est mon frère. Ah merde, ah oh, respect, ok. On dirait qu'il a le costume de Monsieur Indestructible. Oui. Salut. Attends, comment tu peux avoir confiance en ce mec là? J'avoue, c'est un vrai, c'est vraiment un méchant. Oh. Vous êtes sûr? Appuyez sur ce bouton rouge pour mourir. Vous inquiétez pas, c'est juste un test. Ah. Oh. Ok. Alors je crois que tu dois faire autre chose que ça quand même, non? Je vais briser la vitre, je vais te retrouver, je vais te péter la gueule. Allez viens la chaise, viens. Du coup je peux la caresser comme ça, je non, peux lui gratter le dos. Tu peux t'asseoir je crois, non? F. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appuyé sur le bouton bleu. Sur le bouton rouge et hop tu cours, tu vas sur le bleu. Speedrun. 3, 2, ah non. Non mais qu'est-ce qu'il fait? T'as même pas appuyé sur l'autre. J'ai même pas appuyé je crois. J'ai fait un faux départ. Go. Oh. Ah. Je suis son meilleur. Quoi? Apparemment, ils ont des bugs. Prévoyez des vacances. Vous allez quelque part où... que vous connaissez ou vous essayez quelque chose de nouveau? Ah, moi, tu vois, j'irai quelque part où je connais. Ouais, moi aussi. J'ai plus ce sentiment de sécurité, tu vois. Ouais, on est des casaniers. Allez. Bien, je vois que vous. Et pas beaucoup de confiance en vous, c'est bien, d'accord. Vous avez été condamné à mort pour vos actions. Comment vous sentez-vous? C'est chaud quand même. Bah, je vais mourir donc effrayé. Bon, Je fais une petite crise de panique avant. Bah, moi aussi, tu vois, je fais une petite crise d'angoisse. Bon, un train arrive à toute allure sur 5 personnes qui sont attachées à une voie de chemin de fer. Vous pouvez basculer le train sur une autre voie. Il y a une personne attachée sur cette seconde voie. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je bascule. Ah, ouais, non, bah, c'est-à-dire que je suis responsable de la mort d'un mec. Ou alors, ouais. Je suis plus responsable d'aucune mort, mais j'ai quand même 5 morts sur la conscience. Non, je le voyais pas comme ça, tu vois. Moi j'aurais fait. Alors attends, 5-1. Ah, mais t'as le pouvoir de le faire donc tu regretteras toute ta vie. Switch. Attends, j'ai juste vu le touche de Fat Man, ça m'a fait rire. Attends, poussez le gros. Attends, c'est la même chose, on est à côté d'un mec très très gros. Et le pousser sur le train arrêterait le train et empêcherait de tuer les 5 personnes sur la voie. Je suis désolé, je pousse le gros juste parce que ça a l'air d'être drôle à faire. Mais pourquoi en plus il précise qu'il est gros, c'est horrible. Mais parce qu'il va arrêter le train. Oui, mais il n'y a pas de gens assez gros pour arrêter un train, c'est horrible. Bah peut-être notre frère qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il arrête deux trains. Hein. Ouais c'est vrai. Tu le pousses, on le pousse. Allez on le pousse. Ah c'est 5 personnes, hein. Moi je continue à faire mon petit calcul. Hein. Même situation, on pourrait arrêter le train en sautant sur la voie nous-mêmes, mais on mourrait. Putain. Je pousse le gros, hein. C'est une question que tu te poses des fois, genre quand tu marches dans la rue ou que t'es dans ta douche, mais t'oses... Après tu te dis arrête de penser, t'as pas besoin d'y répondre, de toute façon ça n'arrivera jamais. Bah là sur le coup je préfère rien faire parce que ça veut dire que je préfère ma vie à la sienne. Donc je préfère être responsable de rien du tout. Genre je ferme les yeux. Pas tes convictions quoi, t'as vachement envie de pousser le gros mais tu te dis ouais ça le fait pas, après les gens me font chier. Et ben saute toi-même. Non, d'accord.
pousses le gros. Mais j'ai pas dit que... C'est pas moi, j'ai pas dit ça, hein. C'est vraiment sympa, t'es vraiment un mec... Je vois quel genre de personne t'es. C'est très intéressant ce test. Respect à tous les gros. Qu'est-ce qu'il y a dans mon café? Ouh! Oh non, c'est pas un café! J'ai flippé. C'est vrai que je m'attendais pas forcément. Terra, on dirait une créature alien. Ah ouais, c'est chaud. Ah non, mais là, c'est la merde. Mais moi, j'aimais bien, ça me fait rire parce que. Genre, qu'est-ce qu'il y a dans mon café? C'est quoi cette merde? Mais regardez. Si notre frère, il sait qu'on a répondu qu'on voulait pousser le gros, il va être hyper vexé. Le mec, il vient de se faire attaquer par des aliens, il pense à ça, tu sais. Oh, j'espère qu'il va pas mal le prendre. Oh, on dirait un jour sans fin. Comme dans les films. Un jour sans comme fin. Et là, j'ai... Oh là, ah. Oui, d'accord. Alors, bah retourne à l'appart. Hein. Ça a l'air quand même vachement. La vie est parfaite. Voilà. Bah, je vais faire un café. Pourquoi partir? Bah, je crois que tu peux. Vas-y, hein, prends. C'est juste là. Oh merde. Et hop. Pas trop long sans sucre. Enter password. Ah, c'est bon. Heureusement que d'autres personnages le connaissent. Un spam. Ça fait plaisir. Bah, c'est pas tellement un spam. C'est marre des spams, ça me saoule. Ça sert à rien. Allez, on va au boulot. Quand le gardien qui s'est endormi. Mec, il ferme les yeux, tu vois, genre, non, tout est normal. Oh, je vais le ramener chez lui. Allez, venez. Allez, j'ai encore trop vu la semaine dernière. C'est chiant. Oh, c'est trop lourd pour lui. Faut qu'on s'échappe. Tape avec la vitre. Non, tape avec le truc sur la vitre. T'es trop fort. Non, mais... Mais c'est pas possible. Oh, c'est... Hey, ouais. Non. Non, redonnez-moi ma vie, non. C'est le Truman Show. Est-ce que je peux upper mes compétences et devenir un maître notamment. C'est pas la matrice, hein. I know Kung Fu. C'est comme ça qu'on ouvre ses mails. Tu lis pas les mails, alors qu'il suffirait de... C'est même. Oh non, bah non. Il est parti. Ah, ça non, mais t'as ouvert la, vitre. C'est pas grave, on va le tuer, regarde. C'est comme une. C'est comme une tâche. Ça ressemblait au. Tu sais, il y a des crabes empoisonnés là, les bâtards. Ah, qui te mettaient un HP. Oh, attention. Mais non, mais. Mais j'ai tu tapes. Arrête. Arrête de lui faire mal. Ah ouais, sauf que c'est encore plus dégueu que dans Half-Life 2, ils sont un peu longs. Mais t'as vu. Ah, ils sont en plus. Oh non. Oh merde. Oh non, c'est quoi cette merde? Je veux. C'est quoi, quoi ça? C'est quoi ce bordel? Les autres trucs, c'est des petites crottes et là, c'est. Ouais, celui-là, bah n'y va pas. Ah, regarde, il s'est passé quoi lui? Par contre, il a une arme de ouf. Oh, je l'ai vu dans un trailer. C'est un pistolet mousse et tu peux escalader la mousse que tu tires. Un pistolet ouais, mousse. Ouais, c'est un pistolet mousse. Mousse. Et ensuite tu le tapes avec un truc. Casse. Stylé. Oh là, c'était pas chez le directeur ça? Vu le bureau, soit on est chez le directeur, soit on est chez Webedia. Et quelque chose me dit que les deux sont étrangement liés. Y a pas beaucoup d'OP ici. Attends, hein, attends, active le rétroprojecteur là. Bah il est. Ah bah. Bah non, tu regarde. L'as bien activé, tiens merci Locke. Bah je l'ai désactivé, bah il était déjà activé. Hey, hey, je vais te mousser. C'est une nouvelle expression. Je vais te mousser. Non mais ça a l'air plus de la roche que de la mousse. Oui mais ça me fait penser à un genre de shampoing. Pourquoi vous l'aimez le nouveau shampoing ultra doux enfant? Oh. Ça j'ai vu que c'était important dans le trailer aussi. Ok, t'apprends des pouvoirs. Oh, ah non, c'est non, horrible. Non fais pas ça. Ah mais c'est mais horrible. Mais t'es con, ça fait mal. Ah ouais, c'est ça la vaccine du futur. Je trouve ça un peu chaud. Je préfère les Doliprane. Ouais, on est sur une planète ouais. Alors par contre... Mais tout notre univers était faux en fait. On n'a pas déménagé de planète quand même, il y a entre temps. Mais mec, quand on est décollé en hélicoptère, t'as bien vu qu'on n'était pas dans l'espace. On est sur une putain de plateforme spatiale. On était sur une planète. C'est vrai qu'il y avait un ciel bleu quand même. Mais oui, là on est sur une putain de plateforme spatiale. Tout est faux. Ouais, et si ça se trouve, si tu casses la vitre encore derrière, on est dans une forêt en vrai. On est dans un volcan. Oh là. Ouais. Elle est pas mal celle-là. Je la prends. Non mais tu sais qu'il y a quand même un mec derrière toi. Tu l'as vu le mec? Oh putain non, bah non. Ah d'accord. Mousse-le. Ah oui, je vais le mousser et ensuite on va voir. Derrière toi. Hein. Putain, il est rapide comme le vent quoi. Vas-y, mousse ça. Il a disparu. Eh, c'est des petits salopards, ils sont vicieux. Hein. Qui qui a fait ça? Si ça c'est pas suspect mon gars. Il est trop con. Il est con. Mais je voulais essayer. Oh non. Attends, tu peux le voir encore un peu sur le côté. Ah c'est bon. C'est bon Morgane. Mais c'est nous en fait. Bah oui. C'est nous. C'est nous qui nous parlons putain. Mais attends, il me dit quelque chose ce mec quand même. Il me dit quelque chose. Tu sais, il a l'air vachement familier. T'en as pas marre de tout péter, t'es pas chez toi hein. Pendant qu'on me parle, il faut que je trouve des trucs à faire. C'est comme si tu regardais un film chez toi avec ta meuf et que tu te levais et que tu pétais la télé. Ça me dérange pas. Bon, par contre, ouais. Hop, ça doit être Alex. Ah, mais non. Oh, ouais, non, lui il a l'air d'être possédé, lui. Hein. Viens avec moi. Voilà, on va faire le scan rétinien. Tu viens.
Tu sais qu'il y a un monstre, hein. Oui, je l'ai entendu parler, il m'a dit des douceurs. Il t'a dit fils de pute en calgon. En calgon, j'ai confondu Klingon et la marque de et la marque de nettoyant. Ah, les chiottes pour femmes sont bouchées, hein. Qu'est-ce qui s'est passé chez les femmes? Ah bah alors, on espionnait chez les femmes. Gros dégueulasse. Putain, Toilette Simulator. Au revoir. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, sympa ce jeu. J'arrive lundi matin. Oh les gars. Oh les cons, putain. Putain. Oh, je complètement immature.